Maintenant, on a fini la préparation d'un bon de commande, ce qu'appelle à Combat, il appelle bon d'achat. Et on va attendre, on l'a envoyé. On va attendre la livraison de la marchandise. Aujourd'hui, on a reçu la marchandise. Donc, les 1000 packs de biscuits Oreo Choco, aujourd'hui, ils ont été livrés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer le bon de commande qu'on vient de préparer, qu'on a fait la semaine passée. On va le comparer avec le physique, avec la marchandise elle-même. Donc, je dois préparer un bon de réception. Un bon de réception. Pour préparer un bon de réception, c'est très simple. Nous allons faire ça dans le module inventaire. Vous voyez ici, il y a réception. Tout à l'heure, on a utilisé la partie achat. Maintenant, réception. Je clique sur réception. D'accord? Je clique sur réception et je vais créer un bon de réception. D'accord? Pardon, pardon. Non, 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 pardon, pardon. Je clique sur réception, pardon, pardon. Je clique sur réception. Qu'est-ce que je vais comparer? Je vais préparer la réception pour quel bon de commande? Quel est le bon de commande que je vais prendre et que je vais le comparer avec le physique, avec la marchandise livrée? Vous aurez une liste des bons d'achat ou bien des bons de commande et on va sélectionner le bon de commande concerné. Ici, on a un seul, je clique là-dessus. Je mets la date de la réception. OK. Donc, je ne les ai pas mis. On va mettre la date de la réception. On va mettre la même date de la facture. On va mettre réception, date réception, le 10 janvier 2018. D'accord? Date de réception, le 10 janvier. Attendez, je vais l'ajouter ici. Date de réception. Je vais juste le mettre ici. Date réception 10-01. Voilà. Donc, on va mettre le 10-01-2018. 10-01-2018. Maintenant, regardez, j'ai la marchandise et j'ai le bon de commande. Je compare. Moi, dans le bon de commande, j'ai 1000 unités. 1000 unités. Je vais compter. Je vais faire une réception quantitative. Je vais compter 1, 2, 3, 999, 1000. Si vous avez trouvé 1000, voilà comment indiquer au logiciel. Comme quoi, ce que j'ai commandé est bel et bien celui que j'ai reçu. Regardez ici à gauche, vous avez cette petite case-là. Je coche, regardez, automatiquement, vous avez le même chiffre ou bien la même quantité que vous avez commandé, c'est la même que vous avez reçue. D'accord? Si jamais vous avez reçu 900, regardez, vous avez reçu 900, vous avez coché ici. Ah, ça, je ne l'ai pas activé dans la mise en marche, ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas reçu la quantité commandée, vous allez saisir uniquement, attendez, vous allez mettre. Ça, malheureusement, je ne l'ai pas activé au moment de la mise en marche. Pas grave. Soi-disant, on va dire que quoi, selon le cas, oui, j'ai oublié, selon l'élan ici, vous allez lire, toutes les commandes ont été livrées, donc je coche ici. Ça veut dire que
J'ai commandé 1000 et j'ai reçu 1000. Et après, vous allez, ne le faites pas maintenant, OK? Vous allez cliquer sur enregistrer et achat suivant si vous avez autre bon de commande. Ici, nous avons un seul bon de commande. On a confirmé comme quoi on a commandé 1000 et on n'a pas de problème. Donc, même le prix, c'est le même. Donc, je clique sur enregistrer. D'accord? Allez-y, cliquez sur enregistrer. Il y a 10 lignes de l'achat qui ne génèrent pas les BO et où vous n'avez inscrit aucune réception de produit. Qu'est-ce que ça veut dire BO? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire le BO? Ça veut dire la date d'expiration. La date d'expiration, généralement, il n'a pas d'effet dans les bons de réception, mais il a l'effet dans les bons de commande. Parfois, le fournisseur, il vous envoie un devis. Il vous dit, écoutez, ce devis-là, il est valable uniquement pour 10 jours. Aujourd'hui, le premier, donc d'ici 12 jours, il n'est plus valable. Donc, date d'expiration sera le 9, par exemple, du mois. C'est ça la date d'expiration. Au-delà de la date d'expiration, ben, les prix vont changer. D'accord? C'est ça. Back order, effectivement. BO, ça veut dire back order. Donc, le BO, c'est back, BO, c'est back order. Comme j'ai dit, vous avez commandé 1000, on vous a livré 900. Donc, il y a là l'écart en souffrance, ou bien l'écart à recevoir dans le futur, on l'appelle commande déférée, etc. Regardez la belle définition donnée par l'Office québécois de la langue française. L'expression back order, utilisée dans le commerce, est souvent abrégée en BO, back order. Attendez, on va voir le. On parle de commande en souffrance ou commande en retard, tout simplement. Parfois, on l'utilise comme ce qui reste à livrer. Donc, vous nous avez livré moins que ce qu'on a commandé. Par exemple, désolé. Parfois, ça se dit aussi pour les ruptures de stock. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, je retourne au logiciel. Donc, je vais enregistrer. Attendez, ce ne sera pas long. Je clique sur oui. Et voilà, vous avez préparé un bon de réception. Je ferme celui-là. Je clique sur oui. Maintenant, une fois j'ai fini le bon de réception, je dois faire la facture. D'accord? Je vais faire la facture. Comment faire la facture?